Yo tout Tu sais quoi, j'espère que vous allez bien, les amis, écoutez pour moi sincèrement super bien. Aujourd'hui, je vous fais ce petit message en début de vidéo pour vous dire, enfin pour m'excuser si la vidéo est mal cadrée. C'est vraiment qu'en fait j'ai eu un problème avec le logiciel, enfin j'ai eu un problème là au montage, ce qui faisait que, ce qui fait que donc j'avais la vidéo qui était toute petite, en fait mal cadrée. J'essaie de la recadrer et en fait, à chaque fois, t'avais des petits bouts en haut et en bas qui dépassaient. Donc, j'essaie de faire au mieux pour pas qu'il vous manque quelque chose. Normalement, je vous manque rien, vous ratez rien. J'espère que ça sera bien le cas. En tout cas, veuillez m'en excuser. Et voilà. Du coup, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vous dis quand même bon visionnage. Eh bien yo tout le monde, c'est Goga, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui les amis, on se trouve pour l'épisode 2 de notre display sur PewDiePie Legend of the Brofist. Et c'est parti, on perd pas plus de temps, let's go. Alors, vous savez que j'ai extrêmement de chance, enfin beaucoup de chance dans la vie. Eh ben, j'ai déjà tourné ce deuxième épisode, comme vous pouvez le voir, je fais 5 niveaux, mais j'avais pas mon micro d'activé sur mon bizen, je sais pas pourquoi. Et du coup, bah, on m'entendait pas, et je m'en suis rendu compte qu'à la fin de l'épisode. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin, du coup, bah, je suis un peu dans la merde. Du coup, bah, je dois retourner cet épisode, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est parti, je refais l'épisode 2 avec vous, du coup. C'est pas grave, vous avez un nouveau message. Poudz, j'ai faim, je veux de la bouffe. Là, tu réponds 3 petits points, d'accord. C'est parti! Hop! Tu vas rejoindre ta mère dans l'au-delà. Des pièces. Du coup, c'est pour ça que tu dis pas il reste plus que 2 coeurs à avoir. C'est parce qu'en fait, tout simplement, bah du coup, j'ai pu lui augmenter 1 ou 2 coeurs, je sais plus. Enfin, 1 ou 2 coeurs maximum, il me semble. Je sais plus combien exactement. Mais voilà, qu'en gros, j'avais réussi à l'augmenter quelques coeurs. Du coup, on fera ces niveaux plus facilement. J'espère ne pas trop galérer pour celui-là, parce que la première fois que j'avais tourné l'épisode, bah, j'avais pas mal galéré. J'espère ne plus galérer cette fois-ci. Enfin, là, c'est le deuxième épisode, donc ça devrait aller. J'ai mon téléphone, il est en train de me brûler sa mère. Je sais pas ce qu'il a, il surchauffe. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il va se mettre à flamber dans mes mains tout à l'heure. Ça va être épique. Hop. C'est bon, je peux lui augmenter d'un cœur déjà. Il me faudrait 1000, comme ça bah, je augmente de 2 coeurs. C'est encore mieux. Ça, bah, il est. Il est maxé avant même la fin du jeu. Hop, checkpoint. Alors là, faut attendre tout en esquivant les petites météorites qui veulent t'écraser la face. Et merde, trop tôt, putain, le con. Le con. Non. Non. Non, allez. Ouh, c'était chaud. Mais je l'ai feinté, la pauvre. Hop. Voilà, vous tombez par terre. Alors, je vais juste attendre et essayer de monter en haut. Ce serait tellement cool que je puisse. Ah merde, bon tant pis. C'est pas monter en haut là, c'est grave chaud. Mais j'aimerais bien pouvoir monter en haut vu qu'il y a masse d'argent quand même. C'est pas grave. Hop, on continue quand même notre petite escapade. Ça ne nous empêchera pas de vaincre le roi Baril. Aïe. Oula, petit ralenti de la part de mon téléphone. Je suis désolé. Ah, qu'est-ce qui me manque, mon Samsung. Ah, le bâtard. Oh putain! J'avais pas vu ma vie. Attention, l'orque qui nous one shot. Ouais, ça va, c'est la fin du level. Allez, yes. Un métro qui mène au pôle Nord. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix. Oui!
J'adore faire cette petite voix. Ok. Du coup, on va tout de suite rajouter un cœur à PewDiePie. Voilà, et 1000. Le dernier cœur, c'est 1000. Oh putain. Bon bah c'est parti. Alors, maintenant, mes trois abandonnés, c'est parti. Un nouveau message. Pudge, mais où sont les chiens? Et là, tu as un dinosaure qui arrive de... d'on ne sait où. Déjà, what the fuck, hein, what fuck la logique, ou le rapport avec ce que me disait Marzia juste avant en parlant des chiens. Tu passes quand même d'un chien à un dinosaure, donc faut m'expliquer. M'expliquer aussi pourquoi les tonneaux, eux, ils ne craignent pas les éclairs, hein, faut qu'on m'explique. Oh putain, il y a le Slenderman juste là, nique sa mère la pute. Je prends des dégâts. Ah, le Slenderman! Il est derrière moi! Casse-toi! Oula! Aïe! Putain, mais what the fuck? Mais c'est quoi ce métro, wesh? Le métro, le carrément le moins safe du monde, quoi. Ah merde! Hop! Putain, je suis loin d'être à 1000 la pièce là. Putain, pourquoi j'ai des putains de ralentissements, nique sa mère. Ça me saoule. D'accord, j'écrase des pigeons. Attention, si je vais dans le noir, je meurs, hein, forcément. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Ah bah oui. Edgar, protège-moi. Tiens, je vais mettre au milieu, je vais lancer Edgar. Et bah ça va me faire un bouclier. En fait c'est carrément... En fait limite le pas d'Edgar ça peut être une attaque comme... de la défense. Yes, le train est arrivé. Où est celui qui s'ouvre? Là, yes. Pôle Nord, me voilà. Ouf. J'ai bien cru que j'allais rester. Non, j'ai conne. Lol. Ok. Maintenant, le pôle Nord. Glacier. Dang. Comme ça, tu as éliminé mon frangin? Tu vas me le payer. J'ai engouffré ta copine Shannon. Viens la délivrer si tu l'oses. Oh, tu vas le regretter. Alors Shannon, je ne sais pas du tout qui c'est parce que je ne regarde pas les vidéos de PewDiePie. Parce que moi, parler très bien, parce que moi, can you speak English, perfect, perfect. Moi, parler très bien anglais, hein, voyez-vous. Non, moi, très bien parler français, mais pas anglais. C'est pour ça que moi, ne pas regarder les vidéos de PewDiePie. Mais bon, je vous invite quand même à aller voir PewDiePie, c'est un très très bon youtubeur, il est... Enfin, il est hasard... il est très connu, donc c'est bien qu'il doit être bien, mais bon. Après, moi, qui suis-je pour dire, voilà. Hop. Allez. 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 Allez, là, faut que j'attende. Wouah! Putain de pingouin! Mais j'adore les pingouins, c'est cool les pingouins. J'aime les pingouins d'habitude, mais là... Non, je vais mourir à cause de l'animation. Non, non. Oh putain d'animation de merde. L'animation m'a tué. J'ai déjà usé tous mes jokers. Je n'en ai plus aucun. Bon, moi j'ai pas de temps à perdre. Hop. Bouclier d'Edgar. Sur les limites du appeler ça comme ça. Ah, attends, ça va me faire des pièces. Allez, tolo. Hop, hop.
Attention, là, c'est le moment. Ah, oh, putain, ça, c'est le moment dur du niveau. Genre, faut rebondir sur la tête des mammouths. Ta gueule, tu es moche. Hop. Ok, donc on va déterrer. Ok, un écuisson. Si tu veux. Allez. Allez. Ok. C'est pas grave, j'avais encore mes. Oh, mais non, mais putain. J'ai rebondi sur l'ennemi alors que je voulais même pas à la base. Ih, des petits lags. Oh non. J'étais à la fin. Mais non. Mais non. Bon, allez. Cette fois. J'ai réussi. Nickel. Nickel. Allez. Bon, un écusson en plus. Hop, voilà. On se presse. Là, celui-là, elle est un peu compliquée. C'est un genre, t'as du vent et soit ça se ralentit, soit ça te fait accélérer. Suivant le sens d'où vient le vent. Vous avez un nouveau message. Poudre, je suis épuisé. Tu dois venir me masser les pieds. Maintenant. Putain, dire ma copine, quoi. Aïe. Aïe. Ah oui, et aussi à la caméra. Non, ou alors c'est peut-être juste la caméra, puis c'est de l'autre niveau. Avec le vent, je sais plus. Ah oui, non, c'est de l'autre niveau. Parce que là, c'est le niveau où faut aller très vite. Oh non, putain, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Bon, là, on speedrun, on n'a pas le time. Oh, oh putain, c'était juste. Oh putain. C'était tellement juste. Bref. Allez, hop, on fait celui-là. Scénario vente, voilà, c'est celui-là. Je crois qu'on aura même le temps d'en faire un pied dernier après. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez là, le vent, il me fait grave accélérer. Ah merde. Ah mince, j'avais pas vu le trou. À cause du bizarre. Ok, d'accord, je crois qu'on peut refaire le niveau. Mais bon, rien n'est perdu. Rien n'est vrai, tout est permis. Lol. Et voilà, et donc là, ça a contresens de là où je vais. Du coup, ça me ralentit à mort. Bon, je préfère encore être ralenti que aller trop vite. En fait, limite, il faut se laisser guider par les pièces. Je m'en fous, j'ai pris le checkpoint. Au pire, bah les couilles, je vais te dire. Donc là, par contre, ça va être faux parce que t'as le vent. Donc déjà, t'as des canards, donc ça te force à sauter. Et en plus, tu vas avoir du vent qui va venir de derrière toi. Et donc du coup, bah, ça va vouloir te faire tomber de la plateforme. Et une fois que t'es tombé, c'est dur de se rattraper. Ça va que t'as deux chiens, que t'as deux Joker, moi je préfère appeler ça des jokers que des chiens. C'est vrai que dans le jeu ils ont plus d'utilité de joker que vraiment de chien. Proprement dit. Ok, je suis pas tombé, j'ai eu de la chance. Ok, nickel. J'ai aussi. Ok, cool. Allez, on fait celui-là maintenant. Alors, je sais pas du tout. Montagne du Yeti, je sais pas du tout de quoi il en retourne. Shannon, mais qu'est-ce que tu fais ici? Sauve-moi! Les méchants barils m'ont encore ficelé. Comment? Ils n'ont même pas de droit de bras. Sauve-moi, pause!
Pourquoi es-tu si glissante? Ok, donc là en haut, t'as le nombre de fois qu'il faut la déficeler avant de gagner, d'accord. Ça a pas l'air bien dur. Encore 4 fois. Alors très bien, donc moi je dis polké pas. Ah bah voilà. Voilà le fameux Yeti. Allez. Ah putain, ça glisse. Eh. Allez, encore 3 fois. Shannon. Oh cool, des pièces. Ok, je peux pas le tuer lui. Il n'obéit pas à la règle de Super Mario. Ni des PewDiePie. À l'évidence. Ah merde. Ce vent m'empêche de sauter pour aller voir Shannon. Hop. Nickel. Aïe. Encore 2 fois. Hop. Allez hop, 3 cœurs en plus. J'ai encore le pouvoir d'Edgar si nécessaire. Mais bon, c'est pas bien dur. Allez hop, le dernier. Ça fait quoi si je lui mets les proutes d'Edgar à lui? Est-ce que ça l'affecte? Ouais. Nickel. Oh putain, des loups. Non, Balto, arrête. Pour ceux qui connaissent, un dessin animé, LOL, MDR. Parce que oui, il y a un dessin animé qui s'appelle comme ça. Je rate tout le temps. Merci, dit-elle en s'envolant. Cinnamon Toast Ken, ça doit être un de ses potes youtubeurs, je pense. Que fais-tu dans un endroit si hostile? Je suis en mission afin de stopper ces maudits barils. Merde. Eh bien, il va falloir se dépêcher, j'ai vu le baril bonhomme de neige venir vers nous. Sors-moi de ta poche, je n'arrive plus à respirer. Oh, c'est vrai, je t'avais oublié. En fait, je suis content de... D'accord. J'ai une idée, attache-moi une corde. D'accord. Il va s'en servir pour... Pour monter. D'accord. Le mec. Oh non, ils l'ont laissé le pauvre. Un meskin. Y a pas de chance le mec. Alors menu pantalon, attaque. Peut-être. Non. Dans défense. Oui, donc re les gens, désolé, juste mes parents qui sont intervenus là dans la vidéo. Oui, et puis au lieu de mettre sur pause la vidéo, je l'ai coupé à cause de la précipitation. Bref, c'est pas grave, on va continuer le jeu. Alors je vais essayer de bien avancer dans cet épisode, faire un épisode de 20, 25, voire 30 minutes. Mais voilà, j'ai envie de beaucoup avancer. Et là, c'est un boss, il me semble, si je me trompe pas. Mais qu'est-ce qu'un bonhomme de neige fait ici? C'est un second tout un baril déguisé. En es-tu certain? Ah, mon déguisement a fonctionné à merveille. Le roi Baril se fera un plaisir d'enfin mettre ses planches sur toi et le pouvoir du fameux brofiste légendaire. Je ferai échouer les plans du roi Baril. Je vais sauver mes fans, tu verras bien. Attention. Mon chapeau tours augmente mes capacités olfactives. Laisse-moi le trouver pour toi, ok. Donc là, faut que j'attende qu'il le déterre. Que moi je puisse enfin lui sauter dessus, d'accord. Alors je sens qu'avec un peu de rapidité et de réflexe. Ah merde,
Je peux lui sauter deux fois dessus. Ok, non. Ah, faut que je fasse gaffe, là, il va remonter avec un pic sur la tête. Si je me prends dans le pied, je risque d'avoir mal. Vas-y. Ah merde, c'était des barils tout simples, c'est pas grave. Ok. Je suis presque à 700 pièces d'or. Vivement que je sois au 1000 pour pouvoir m'acheter un cœur en plus. Donc toi déjà, tu meurs. Voilà, le skill est en moi. Non. Oh putain. Je l'ai mal placé. Voilà. Hop là, voilà. Bon. Vivement que j'arrive. Allez, encore une fois, je crois, et c'est bon. Voilà, faut que je fasse gaffe là. Bah cool. Ok. Ok. Il est mort, je crois. Voilà, nickel. Roi Baril, on m'a vaincu. Maudit soit ce vidéaste. Il ne reste plus qu'une solution. Engager celui dont le nom doit rester secret. Ça doit être une référence à Voldemort dans Harry Potter, je pense. Non, pas lui. Sommes-nous si désespérés? Contrairement à toi, il n'échouera pas. D'accord. Nickel. Tu devrais passer par ici. J'ai vu des barils entrer et sortir de cette caverne. Ils parlaient même qu'ils avaient capturé quelqu'un. Il n'y a pas de temps à perdre. On se voit plus tard? Je vais m'amuser à couvrir tes arrières. Merci. Ok, cool. Du coup, je sais pas du tout à combien de temps de vidéo on est. Je pense qu'on va encore faire un niveau là et puis on s'arrêtera ici. Ok. Défense. Ok, ouais, non, c'est pas très intéressant. Je vais garder les pouvoirs de base qui m'ont l'air un peu plus intéressants. J'ai hâte de pouvoir acheter le cœur, le dernier cœur. Dites-moi ici si vraiment vous aimez le jeu. Si vous voulez, je peux le faire avec les autres personnages. Ça me gêne pas du tout. Enfin, peut-être pas tout, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais peut-être Marzia et puis 2-3 quoi. Enfin, ouais, vous me direz ça en commentaire. Vous avez un nouveau message. Pouds, as-tu fini de sauver tes bros? Je veux Orange et le nouveau bro. D'accord. Bon, on s'en fout là, je vais aller sauver mes bros. Aïe, putain, on dirait limite Unfair Mario le machin. Putain, j'ai plus de batterie, nix, merde, ça me stresse. Et là, genre, bah, la vidéo s'arrête parce que j'ai plus de batterie. Oh mon dieu! Oh putain. Merde, je me suis gouré de pouvoir, t'es un con. Le con, le con. TNT. Oh non, je vais galérer à ce niveau. Je me rappelle, j'avais trop galéré à ce niveau avant. Sur ma tablette. Et là, je joue sur téléphone, donc dites-vous bien que... Les plateformes, ça va être chaud. Je vais beaucoup trop galérer. Oh Sam, calme-toi. Pour ceux qui ont regardé mon live. Oh, ça c'est une référence à Zelda. Au premier Zelda, ça, cette phrase. Le décor aussi d'ailleurs. Je vais essayer de prendre le... plus de pièces que possible, hop, pour vite arriver à 1000. J'en suis encore très loin des 1000, mais bon. Ah mais fuck,
Fuck. Mais merde, mais putain. Ils sont mal placés. Mais wesh, mais le mec il va peiner pour monter là-dessus quoi. Hop. Aïe. Ah merde. Mais merde. Bon, tant pis, on va refaire. Oh, il est là, le checkpoint. Mais c'est abusé. Ça part en Unfair là. Unfair Mario, Unfair Platformer, Unfair Sonic, Unfair tout ce que vous voulez, wesh. Ça part tellement en Unfair là. Hop. Oh non! Ça, c'est vraiment la paire de Joker. Enfin, la perte de Joker. Facile et inutile. Tuez-moi, mon Dieu. J'en ai marre. Bon, je fais un cut et puis je reprends dès que j'ai passé cet endroit de merde. A tout de suite. Oh, les amis, j'ai réussi, c'était un truc de ouf. Ça fait environ 20 minutes que je galère là-dessus. Mais bon, c'est cool, j'ai réussi. Oh, c'est cool. Bon. Bah voilà. Donc on approche peu à peu de la fin. Ah, quoique. Quoique. Je dis de la merde, peut-être. Je ne sais pas. Mais oui, on approche vraiment de la fin, petit à petit. Et du coup voilà les amis, c'est tout pour ce let's play. Enfin pour cet épisode 2 du let's play. J'espère qu'il vous aura plu. C'est quand même, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et peace. Allez, salut.